Bien YouTube, bien le bonjour, bonsoir comme tu veux, ça dépend quelle heure tu regarderas cette vidéo. On se retrouve en journée, vous avez vu la lumière, hein. On est en journée, d'habitude je stream la nuit, mais là on est en journée. Pour un Tetris Battle Royale, ça a été annoncé donc à l'E3, on l'avait vécu ensemble. Et il est temps de montrer comment on joue à Tetris. Non, c'est vrai que ça paraît un peu prétentieux comme ça, mais on va faire une partie. Bon, je dis pas que je vais faire top 1 à tous les coups, mais vous allez voir. Vous allez voir, j'ai fait déjà quelques top 1 en solo, là, enfin en solo, en off quoi, sans streamer. Donc, c'est parti. Allez, je me concentre un peu. J'ai pas joué là aujourd'hui, hein. J'ai joué hier. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, Tetris Battle Royale, c'est tout simple, on est contre 98 joueurs, donc 1 contre 98. Et le but c'est d'être le dernier en vie comme un Battle Royale classique, je vais pas vous apprendre ce que c'est qu'un Battle Royale. Voilà. Je vais même pas vous expliquer le principe de Tetris, je pense que tout le monde connaît le principe de Tetris, bordel. Donc je vous laisse apprécier. Donc je vais me concentrer, c'est une vidéo où je vais pas beaucoup parler. Je vais surtout me concentrer et vous allez voir. Allez. J'espère que ça va marcher la capture, hein. Là, on est plutôt pas mal. Merde, ah, je suis con. Petite erreur. Mais... Oh merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux pas être de mauvaise foi, mais je soupçonne ma manette de bugger un peu. Hein. Bref, 50 joueurs, parfait. Oh non, merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je suis foutu. Non, quoique. Ouais. C'est un petit peu de la baise ce que j'ai fait. Avec du bol. Non, ça va aller. Allez hop.
te contre ça, je te contre ça comme ça. Et paf. Un petit Tetris? Allez, un petit Tetris. Hop. Parfait. Là, c'est moins parfait. Non, c'est bon. Vite. Vite. Là ça pue. Là ça pue. Oh merde, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû le garder en réserve. Non, c'est bon. Ah putain. Ah putain, quel con. Ah quel con. Ah dommage. Déjà vous avez vu top 6 hein. Première partie top 6 hein. Ouais 6. Très bien. On continue. Évidemment, c'était l'échauffement. C'était l'échauffement. Je prends un petit coup. Je profite pour me remettre un petit peu. Donc voilà, le titre il est... Le titre, merci à Chardakan le paladin pour le follow, ça fait plaisir. Vous voyez que le titre il est pas du tout putaclic, hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des gens autour de moi du haut, espèce de prétentieux, genre t'es un pro machin, bah un pro, moi Tetris c'est le jeu de mon enfance, c'est-à-dire que je passais des centaines d'heures sur ce jeu. C'est-à-dire la première chose que j'ai touché quand j'avais 3 ans c'était Tetris, alors au bout d'un moment, si je suis pas professionnel je suis quoi alors? Merde, mais putain, mais je crois que ma manette déconne, hein. Sans déconner. Hein. Ah putain, regardez, j'ai appuyé sur en bas. Attendez, ça. Petit souci de la manette, je crois. Je crois que j'ai peut-être changé de manette. Hein. Je vois que la manette pro, pourtant la manette pro. C'est ok la manette pro normalement. Puis j'ai fumé, si vous connaissez Tetris DS. Tetris DS, je l'ai fumé dans tous les sens et je joue en online. Et j'avais un classement pas trop dégueulasse, hein. Bon là par contre j'ai fait de la full merde à cause de la manette. Là on va me dire non c'est pas la manette, c'est toi qui joues mal. Oui peut-être. Mais il y a un peu de la manette parce qu'à un moment j'appuie sur bas. Puis ça m'a décalé à droite alors que je voulais pas. Ou l'inverse, quand j'appuie sur haut et ça m'a décalé à droite. Je vais au moins je vais essayer de vous montrer un top 1. Quand même. J'en ai fait quelques-uns des top 1. Je peux bien vous en montrer un là. Bon là par contre je vous garantis pas celui-là. Hein. Cette partie-là je vous la garantis pas. Hein. Parce que là j'ai fait complètement de la merde. Après faire de la merde au début c'est pas très grave. Parce que vous voyez là il y a du monde. On s'est pas forcément full agressé au début. C'est manette GameCube. On peut jouer à manette GameCube à jeu? Ouais mais la croix elle est pétée. Moi je joue à la croix hein. Attention. On peut jouer à manette GameCube, c'est bon à savoir ça. Parce que je l'ai l'adaptateur. S'ils font pour chercher mais bon non mais la croix j'aime pas la croix de la GameCube. Alors j'avoue jouer à Tetris avec la croix de la GameCube je le sens sans moyen. Putain le connard, t'as cru quoi toi? Qu'est-ce que... Mais non mais voyez vous avez vu putain. Et voilà. Oh non on a ça. Non ça c'est de la merde. Non ça c'est de la merde. Oubliez cette game. Mais elle est bizarre la manette là, qu'est-ce qui se passe là? Manette à 70 balles! Putain! T'achètes des manettes à 70 balles au bout de même pas un an, elle déconne! Non, parce que des fois j'appuie sur haut et ça me décale à. J'appuie vraiment sur haut.
Là, là, mais j'arrive pas à vous montrer. Là, j'appuie sur haut. J'arrive pas à vous montrer, bordel. Là, j'appuie ici pour faire tomber directement les tétrimonios, tétrinominos, là, je sais pas comment on appelle ça, vers le bas. Et ça me décale à gauche ou à droite. Parce que les croix, c'est de la merde. Alors que pourtant, ces manettes, j'en prends soin. Complètement de la merde. Bon, attendez. J'essaie d'être plus adroit avec mes pouces. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Comme par hasard, hein. Je suis en stream. Mais ça m'est jamais arrivé, hein. Non, on va ressortir la manette toute pourrie. Enfin, les Joy-Con, quoi. Hein. Bon, après cette partie, je sors les Joy-Con. Comme ça, les Joy-Con, j'ai pas eu de problème. Hier, j'ai joué avec les Joy-Con dans mon lit, en mode portable, et j'ai pas eu de problème. Donc comme ça, on va pas s'emmerder, hein. J'ai fait un top 1 dans mon lit, quoi. Je veux dire, mais là, vous avez vu, j'ai pas voulu. Il s'est décalé à droite tout seul. Je vous jure que j'ai appuyé en haut. Non, bon, on va changer de manette après, hein. Au bout d'un moment, comment être un pro si on a une manette de merde? Je rigole, hein. Je rigole, calmez-vous. Calmez-vous. Allez, paf. Paf. Bon, ça va être un petit stream, hein. Je vais pas streamer très longtemps, genre une heure et demie, puis après on arrête. J'ai des trucs à faire. C'est vraiment en mode speed, hein. J'avais vraiment envie de streamer Tetris et je sais que ce soir je peux pas, demain soir je peux pas. Donc du coup bah j'y allais un petit stream comme ça sauvage. C'est vite fait. Putain le mec qui a DJ Ah putain. Merde. Le mec qui a DJ le remix s'est éclaté, hein. Mais au moins ils ont gardé le thème. C'est bien. Ils auraient pu faire un truc tout naze. Vite. Vite. Non, il me faut un bloc. Non mais qu'est-ce que... C'est pas grave. Mais putain. Mais ça casse les couilles. Bon, on va changer de manette après. C'est de la merde. J'ai pas voulu aller à droite. Il s'est mis à droite. Ça va me coûter la victoire. Ça va m'énerver. Alors, ah, si je m'en sors. Attends, je vais peut-être m'en sortir, hein. Bordel de cul, j'ai vu un follow. J'ai pas eu le temps de suivre, désolé. Enfin, j'ai entendu un follow. Ah, je pourrais pas. Je pourrais pas. Vite! Vite! Putain, alors là. Si je m'en sors avec cette manette de merde. Je vous raconte pas le miracle, hein. Mais... Oh putain, mais quel connard. Là, c'est moi. Bon, pour le coup, là, c'est moi. J'assume, hein. Quand c'est moi, je le dis, hein. Oh putain, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Mais je vais vraiment m'en sortir, quoi. Incroyable. On a eu du bol, hein. Là, foule de la chance, hein. Full la chance, hein. Ouais. Comme ça, comme ça, comme ça. Je vais mettre là. Oui, je sais pas trop le foutre. Alors on est pas mal, non? On est pas mal là. Ouais, pas mal là, on est bien là. Voilà, Tetris, allez hop. Si tu veux, la riposte.
Ah, là, j'ai pas eu trop de chance. Comme ça. Vite. Non. Ah. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je vais crever. Ah, je suis dans la merde. Ouais, là on est dans la merde, je vais pas vous le cacher. On n'aura pas deux miracles dans la même partie, hein. À moins que... Non. Ah non, faut pas rêver. Faut pas rêver. Moins bon, on a fait top 10, mais moins bon. C'est le best car les flèches sont séparées. J'avoue. Donc on va changer tout de suite. Attendez. J'arrive, hein. Alors. Les Joy-Con. De ces morts. Hop. Ah, batterie faible. Oh, je vais me tuer. Ah, les batteries sont faibles. J'avais pas prévu de streamer. Ça, vous savez ce que ça veut dire? Attendez. Ouais, batterie faible, mais comment? Ah ouais, non, batterie vraiment faible. Bon, bah attendez. Je vais la recharger en attendant. Même s'il faut longtemps pour la recharger, mais bon. Je les casse sur la Switch. Et on va continuer à jouer avec ces manettes de merde. Hein. Ça, cette manette de merde. C'est quand même bizarre. Hein. Non, parce que j'ai déjà joué avec cette manette et j'ai pas eu de problème pourtant. Chelou. Attendez, vous permettez que... Je me... Ah. Non, je... Je vais essayer de vous promettre de faire un top 1 quand même, avant de partir. Attendez, je m'en grille une. Histoire de me détendre. En tout cas, ça fait plaisir qu'il y ait du monde. Il y a un petit peu de monde là. Bon. Je vous promets de pas vous décevoir. Regardez, et je vais même vous le prouver en attendant là. Quand même, parce que là, qui vont se dire, il y a eu connard, non. Où est-ce qu'on voit? Voilà, victoire 3. Et pourtant le jeu est sorti il y a 2 jours. Hein. Et j'ai joué... bah là j'ai fait 27 parties, 3 victoires. Pas dégueu. Je peux vous dire que faire un top 1 dans Tetris 99, pourtant... faut déjà avoir de l'expérience. Hein. Moi, parce que même moi, qui me démerde plutôt bien et avoir fait beaucoup de LAN, de multijoueur, j'en ai fait longtemps dans ma vie du multijoueur Tetris, là il y a du bon. Il y a du très très bon. Il y a des mecs qui sont chauds. Il y en a un notamment qui je retombais tout le temps. En deuxième, enfin en 1v1 à la fin, quand il restait qu'une personne, je retombais avec le même mec. Un mec qui s'appelait Seth, parce que c'était S-E. T'as fait 600 games, 0 victoire. C'est... Mais non. Mais non, t'as pas eu le temps de faire 600 games ou alors t'as pas de vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu passes ta vie à ça. Attends, mon micro il est trop fort, je crois. Attends, je vais vous baisser. Voilà, je vais vous baisser un peu le micro. Voilà, je vais faire comme ça. Histoire que le micro vous crache pas à la gueule. Pas de vie. Quand même. Merde, quand même. Allez. On est reparti. On est reparti. En tout cas, j'espère que la qualité vous va. Parce que je stream pas souvent. Je stream pas souvent sur console. Donc j'espère que ça vous va. J'espère que tout vous va. J'espère que tout vous va bien. Ah, si ça vous plaît de voir du Tetris, moi je pensais pas. Hein.
Pour moi, c'est un plaisir. Hein. C'est vraiment un plaisir de jouer à Tetris en ligne. C'est vrai que ce mode-là, on le voyait plus comme une blague. Tetris Battle Royale, ça fait sourire quand on a eu l'annonce. Mais finalement, le jeu, pas mal, hein. C'est-à-dire, c'est simple, tu démarres le jeu. Si t'as le online, bah hop, tu démarres, t'appuies sur un bouton et paf, c'est parti. Voilà, on est parti. Allez, je me concentre, je vais mettre en riposte. Même si j'ai pas bien compris la subtilité de ces trucs-là. Je fais un petit peu de la merde, ça c'est moi. Ah merde! J'ai cru que j'avais un. J'ai mal vu. Parce que mon œil regarde quand même. Regarde un peu les tétrinominos, je sais plus comment on appelle ça. Tétrominos. Qui arrive et des fois je me gourre. J'ai l'impression de voir telle forme arriver et en fait non. Si je fais de la merde en fait c'est. Voilà. Faut se dire que moi je suis hyper concentré sur le tableau. Hop, je retise une barre. C'est un risque. C'est un risque ce que je fais. Je suis greedy. Comme on dit. Là, je vais être greedy aussi. Voilà. Là, tac, tac. Un petit 3, hop. Vous avez vu? C'est de la merde. Non, je crois que j'appuie sur le joystick sans faire exprès. Mais heureusement, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, là. Bon, là, par contre, on va pas prendre de risque. Tant pis. Merde, ah, j'aime pas ça. Tant pis. J'ai pas de bol. J'ai pas de bol, j'ai que de la merde. Il me file que de la merde. Là, ça va. De toute façon, c'est le début. On peut se permettre de faire des erreurs, c'est après que c'est chaud. J'ai remarqué qu'au début, on s'en branle de faire des erreurs. C'est presque comme si on jouait en solo, parce qu'on se fait très peu attaquer. Ou alors si tu te fais attaquer dès le début, c'est vraiment que t'as pas de bol. Hein. Après moi je joue vraiment comme un vrai Battle Royale, c'est-à-dire que je cherche pas à faire du kill. Je cherche à survivre quoi. Là c'est pareil. Je cherche pas forcément à tuer enfin tuer, à mettre à... Comment dire? À terminer les parties d'autres joueurs, je cherche surtout moi à garder le cap quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais le malin là? Je crois que tu me fais peur. Oh le bâtard! Je dois avouer que je me suis fait baiser là. Bon, ça c'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire qu'on joue normalement et d'un coup, voilà, je parle de se faire agresser dès le début, bah voilà. Je me suis fait agresser dès le début. Ça arrive. Ah, je l'ai dit, hein, je vais pas faire des top 1 à tous les coups. Des fois, il y a de la chance aussi, c'est comme un Battle Royale. Hein. On va voir le lien Facebook. Oui, bah attends. Si le contenu n'est pas disponible. Bon, bah ça marche pas ton lien. Hein. Désolé. Hein.
Alors, allez. On arrête les conneries. Peut-être le temps d'échauffer la manette, parce que là ça a plus l'air de déconner. Hein. Hop, lol. Peut-être que la manette aussi a besoin de s'échauffer. Oh là là, on est bien, on est en vacances là. On est en vacances là, on est bien. Hop. Terrible, mais bon. Là, il me faudrait des barques, là. Clairement, il me faudrait des barques. Ok. C'est pas ouf. Mais ça va. Ça se gère. Non, ça va. On est bien là. Juste qu'on se fasse pas agresser. Jusqu'au top 1. Parfait, un petit 3. Allez hop. Pour savoir à qui ils ont affaire. Lol. Qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre là plutôt lui. Comme ça, puis je peux le mettre là. Oh voilà. Ça c'est une vraie partie de Tetris, voilà, là on est bien. Les gens ils vont croire que je me la pète et tout. C'est une blague hein. Si on, je tiens à rappeler à ceux qui prennent tout ça au premier degré, c'est pour rigoler. Hein. Je veux dire, en même temps, voilà. Moi, à PUBG, Fortnite et compagnie, je suis une grosse daube. Alors bon, si je peux me la péter sur un jeu comme Tetris, voilà. Laisse-moi rêver un peu, quoi. Oh putain. Vite, 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 voilà. Oh putain, ça a rien donné. Oh, je suis mort. Ninkadap. Tiens, ça va être plus simple. Attends, je regarde. Yop, tu fais beaucoup trop de triple rotate sur les pièges. Je pense que tu perds Mastan. Mais GG quand même. Ah, mais c'est gentil. Attends, tu fais trop de triple rotate. Ah, genre je... Tu crois? Genre... Je vois ce que tu veux dire. Bah, je vais suivre ton conseil. Ouais, mais je sais pas, moi, c'est une manie que j'ai. Ça va être difficile de m'enlever cette manie. Parce qu'en fait... En faisant ça, ça me fait réfléchir à comment je vais le placer. Genre le L, tu appuies sur BBB au lieu d'appuyer sur A. Ah oui, oui, genre je le tourne dans le mauvais sens. Ah bah je sais pas. J'avoue, j'avais manie, mais en vrai, ça perd ma stand. Oui, c'est vrai. Et pourtant, honnêtement, sans me vanter, je vais très vite. Hein. Enfin, je pense que je vais quand même très vite. Ah oui, c'est vrai, putain, 615 parties, c'est bon, j'ai vu ton lien. Oh, putain, mais t'as joué comme un ouf. Attendez. Ah peut-être, ouais, t'as peut-être raison, ouais. C'est vrai, il tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort, c'est vrai que je devrais... Ouais, parce que moi j'appuie toujours sur A, j'utilise jamais le bouton B. Ouais, ouais, je vois ce que là, je l'ai fait, là, par exemple. Ouais, mais... Ah, ça me... J'y arrive pas. Je suis déstabilisé en faisant ça.
C'est bizarre, hein. C'est psychologique, je suis déstabilisé en le tournant de l'autre sens. Ah, je sais pas, ça... Ah, ça me... Ça me déstabilise de ouf. Je sais pas comment te l'expliquer. Mais pourtant, t'as raison, hein. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que je devrais le tourner en l'autre sens, je gagnerais du temps. Au lieu de faire 3 coups, je ferais qu'un seul coup. Ouais, ouais, tu vois, voilà, je le fais. Mais pourtant, moi, je sais pas, ça me... Je sais pas comment t'expliquer. C'est compliqué, mais faudrait que je prenne l'habitude de le faire. Alors, je vais pas le faire maintenant, mais quand je jouerai tout seul, j'essaierai ton conseil là de pas faire triple rotate comme tu dis. Parce qu'effectivement, ce serait plus logique. Bon, on va vous le montrer ce top 1 quand même. Moi je compte bien vous le montrer, hein. Puis même moi j'ai envie d'en faire un petit là. Parce qu'après j'ai des trucs à faire. Ça me permet de faire une petite partie de Tetris en même temps. En tout cas, vous en pensez quoi de ce jeu? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? J'aime bien savoir. Je joue juste sur Puyo Puyo Tetris ou que Tetris? Alors j'ai joué à Puyo Puyo, mais je suis une bite à Puyo Puyo. Parce que le problème c'est que les gens. Quand tu joues en mode Tetris contre Puyo Puyo, les gens choisissent toujours Puyo Puyo et je ne sais pas jouer à Puyo Puyo. Je suis bon vraiment qu'à Tetris, quoi. Voilà, Puyo Puyo, je sais pas jouer. Je sais pas enchaîner les trucs. Après, si vous voulez qu'on joue à Puyo Puyo Tetris, un jour peut-être, ouais. Si vraiment ça vous intéresse, on peut, mais je suis une merde, hein. Alors là, autant là, à Battle Royale, je me défends bien. Parce que tout le monde joue à Tetris, si vous voulez. Tandis que Puyo Puyo, quand tu joues un mec contre un pro de Puyo Puyo, je me fais défoncer. J'ai jamais réussi à gagner une partie à Puyo Puyo, pour le coup. Ah merde, j'ai... Non, ça va, heureusement qu'il y avait une barre juste après. Donc bon. Mais pourquoi pas, oui c'est vrai que Puyo Puyo Tetris, j'aimais bien moi. Il est très bien aussi. Hein. Mais en online, putain, je me suis fait fumer. Hein. Hop, on va le mettre comme ça. C'est un peu du gâchis de le mettre comme ça, la barre, mais bon. C'est pas grave. Comme ça, hop, ça nous permet de faire un Tetris. Un autre Tetris pour se défendre, voilà. Parce que vous avez vu les barres, hein, si vous connaissez pas le jeu. Il y a les barres, là, à gauche, qui montent. Ça veut dire que je vais m'en prendre dans le fion, quoi. Donc, du coup, quand il se passe ça, il faut faire des lignes. Et si on fait des lignes, eh bien, on se défend. Ah merde, je vois pas. Bah, je vais remercier tout le monde après, hein, pour les follow, ça me fait plaisir. Très content que ça vous plaise. Voilà, là par exemple, il faut que je me défende. Vite. Non! J'ai chié. J'ai chié dans la colle là. J'ai pas été assez vite. Alors attendez, bah Ninka qui s'est abonné, Elliot MRB, merci Ninka. J'avais pas le retour OBS, désolé. Merci beaucoup pour les follow, ça fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Bah, comme quoi voilà, il fallait que je fasse du Tetris 99, montrer mon talent. Merci Nintendo d'avoir sorti ce jeu. Et du coup j'ai perdu les messages que j'actualisais la page, parce que j'avais un bug. Bon, en tout cas voilà, j'espère que ce jeu vous plaît, parce que moi je pensais pas que Tetris 99 ça intéressait des gens. C'est que tout le monde s'en foutait, mais visiblement non. Le level, oui, t'avais un gros level, ouais. Attends, ici, niveau 46, ouais, mais ça c'est parce que t'as joué longtemps, quoi. Comme quoi. Après, t'as dû faire des top 2 quand même. Top 2, top 3. Mais. Oh non, j'ai appuyé deux fois. Putain, quel connard de jeu. C'est pas grave. Ne paniquons pas. On est au début de la partie. Il vaut mieux que ça m'arrive là maintenant que genre quand on est top 8, quoi. Sinon. Non, bah, la manette, quand même, des fois, elle fait des siennes, hein.
C'est génial parce qu'ils ont gardé le même système de réserve comme dans Tetris DS. Je crois que le système de réserve, il est apparu dans Tetris DS, hein, si je dis pas de bêtises, ou peut-être avant. Mais après, j'ai pas trop joué au Tetris entre Tetris DS et le premier sur Game Boy, donc peut-être qu'il y a eu des Tetris avant où il y avait déjà la réserve. Vous me direz. Mais je crois que c'est... Moi, il me semble que c'est Tetris DS qui a inventé ce système de réserve. On peut comme ça faire une réserve. Ça a tout changé, hein. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, qui trouvent que ça gâche un peu le challenge, mais moi je trouve que c'est une très bonne idée en fait. C'est pas trop cheaté en fait, c'est pas mal. Ça ajoute du dynamisme au gameplay. Et moi j'aime bien. Et c'est vrai qu'après quand tu rejoues au vieux Tetris, bah putain t'as plus l'habitude. Hein. Parce que t'as le réflexe de mettre en réserve. Et quand t'as pris le réflexe de mettre en réserve, bah après... Je dois avouer que... Tu galères un peu quoi. Attention à pas toucher le joystick, là je... J'ai failli toucher le joystick. Bien, 50 joueurs. Est-ce qu'on va y arriver? Dans un moment quoi. Oh putain. On va faire ça déjà. Sécurité. Ça aussi. Un petit Tetris. Ah non, c'était pas un Tetris. Là voilà, là, c'est un Tetris. Un petit 3 pour se défendre. Connard. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils me veulent là? Riposte. Ah putain, ils veulent m'emmerder. Mais putain, c'est de pire en pire. Mais j'ai pas de bol aussi. Putain, hier j'ai fait deux top 1. Et je vais pas réussir à en remplacer un là. On a combien de records? 38 minutes. Non mais je continue. Non élément que ça arrivait la réserve. Ah, ça arrivait avant la réserve. C'était avant... C'était avant Tetris DS, non mais voilà. C'est ce que je me suis dit, ça m'aurait étonné qu'il s'est pas inventé ce système avant. Je bois un coup. C'est parti. Vous inquiétez pas. Merde, j'ai appuyé sur la manette sans faire exprès. C'est pas grave. Encore une fois, c'est le début. Dû faire ça. Comme ça c'est bien. Tac, tac. Voilà, là vraiment, je me concentre. Je parle plus. Putain de merde. Il faut une barre, vite, vite. Non, connard! Bon, il y en a une autre. J'ai eu du bol, hein. Ça va. J'ai eu du bol, là. Je vais encore crever. Crever. Je vais crever.
Ce mec qui joue à Tetris, ça lui va. Salut Red Robin. Sur YouTube. Bah non, tryhard, ouais, tryhard le top 1. Non, non, mais je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas, c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps, je vais y arriver. Mais c'est la chance aussi, hein. Voilà, Tetris, il y a un peu de chance aussi. Y a pas que du skill non plus. Ouais, là, c'est... ouais, pourtant je joue vite, j'essaie de jouer bien vite et tout, et pourtant bon. Bon après là je veux bien, j'ai fait un petit peu de la merde là. Faut être patient. Faut être patient. Il y a un moment, vous allez voir, ça va venir. C'est quand même difficile de faire top 1 à tous les coups. Hein. J'en ai fait 3 quoi. Hein. Alors voilà, du coup, super, on commence bien. Quand ils nous mettent des espèces de Z comme ça dès le début, j'aime pas. C'est pas pratique du tout. C'est bon, je sais qu'une barre va arriver. V, connard. Putain. C'est pas grave. C'est pas dramatique. On va faire ça. Ah mais non, mais ouais, mais si vous m'agressez aussi, si vous laissez pas le professionnel qui est en moi. Bah ouais, mais voilà. Putain. Comment voulez-vous que j'y fasse? C'est pas possible. C'est bon, la caméra est super sombre. Non, ça va. Peut-être comme ça c'est mieux. Vous voyez dans le noir. Ah, pour l'instant là j'avoue c'est discutable. Hein. C'est discutable j'avoue. Non je peux pas. Je peux pas avoir fait ce stream sans une petite victoire quand même. Même si elle est un peu arrachée. Une petite victoire. Quand même. C'est le minimum du respect quoi. Non, puis je vois bien que c'est faisable. Hein. C'est faisable, c'est largement faisable. C'est juste pour un tout petit peu de chance. Un peu de concentration. Puis ça devrait aller. Un petit Tetris, allez. Ça fait plaisir ça. Bien. Bien là, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui m'emmerde? Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent m'emmerder? Voilà. Arrêtez de m'emmerder. Ah oh, mais. Comment je peux faire? Hein, voilà là. Ils sont vénères les gens là aujourd'hui. Hier ils étaient moins vénères les gens.
Voilà. Voilà. On va être poli. Ah, c'est 50 jours, ouais. C'est que 50 jours. Enfin. Encore 50 jours, je veux dire. Oui, alors là, oui, vous allez me dire. T'aurais pu faire un Tetris, mais là, c'est bon. Oh non, vous voyez, ça c'est le genre de situation que je déteste. Ça casse le rythme. Oh bordel. Oh bordel. Là vous vous dites, c'est bon je suis bien, mais en vrai non je suis pas bien. Je suis pas si bien que ça. Parce que j'ai pas ce qu'il faut pour enchaîner les lignes. Et ça c'est pas cool. Là, là je suis en train de tâtonner en fait. De piétiner si vous voulez. Avec des petites lignes à la con. Et ça c'est pas cool. Ce qu'il me faut c'est quelque chose pour enchaîner pour après. Parce que quand je me retrouve en 1v1 et si je suis comme ça en 1v1, le mec il va me défoncer. Voilà, 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 on va pouvoir construire quelque chose, c'est bon. Non, c'était pas la bonne solution ça. C'est bon, il y a une autre barre qui arrive. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas dramatique. Mais... Oh merde. On est arrivé aux 10 derniers joueurs. Oh putain.
Voilà, là on va se faire emmerder là. Vite. Voilà, ça c'est pas mal. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Le truc qui va me coûter la victoire. Quoique. Alors, vous avez menti ou vous avez pas menti? Voilà, regardez bien cet écran là. Voilà. Oh merde, je vais éteindre la télé. J'ai appuyé sur le bouton de la télé, attendez. Voilà. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. C'est parfait. Écoutez, il est 15, quelle heure? Ah bah ça tombe bien, 15h, je devais m'arrêter vers 15h. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Alors je coupe la VOD juste. Allez, salut YouTube. À la prochaine, j'espère que t'as aimé ce top 1. T'as resté une heure pour voir un top 1. Salut.